Electron, c'est encore un épisode destiné aux 24 heures d'endurance de moto électrique. La moto, elle est là-bas. On va reprendre où on en était. Vous avez déjà vu la présentation avec le départ. Vous avez vu tout ce qui s'est passé cette nuit. Et maintenant, on est le petit matin, le réveil matinal sur le bord de la piste. Le temps est très clément. On se régale. Allez, je vous mets le générique et je vous reprends tout de suite après. Et donc là, on est sur la piste. C'est toujours Stéphane qui est aux manettes. Il est là, bien. Il est heureux. Regarde-moi ça. Il est bien équipé. Hein. Là, le soleil commence à bien rayonner. Il fait bien meilleur que cette nuit. Parce que cette nuit, croyez-moi, il caillait. Là-bas, c'est un peu marécageux. Alors, tu avais des levées d'une espèce de brouillard. Le vent ramenait le brouillard par ici. Et je ne sais pas par quel phénomène chimique, ici, tu avais le brouillard qui se levait. Et toute cette partie-là, elle était beaucoup plus claire. Là, je suis content parce que je vois que le macadam, il a bien séché. Regardez cette qualité, ce bon grip. Et ce qui fait flipper quand on roule et que c'est humide, c'est toutes ces traces de caoutchouc qu'on peut voir ici ou là et qui rendent la pratique du deux roues sur une piste qui est habituellement destinée aux quatre roues un petit peu périlleuse par moment. Alors Stéphane qui vient repasser ici sur le petit bout qui va l'emmener tout au fond de la piste. Ah, il fait les petits détours. Il s'est mis en mode slalom, il s'amuse. Elle est là, la Tromox. Et moi, je me dis, c'est génial parce qu'avec ce type de véhicule, on va pouvoir commencer à se rapprocher des villes pour faire des petits challenges comme ça, sans embêter personne. Et puis voilà, peut-être qu'on fera un jour dans une ville, si jamais vous êtes le maire d'une ville et que vous avez envie de faire un événement type 24 heures de votre ville. Ah, téléphone sonne. Ah bah justement, c'est Tromox. Allez, on va décrocher. Bonjour Tromox France, comment allez-vous? Bonjour Electron, comment ça va? Eh bah écoute, ça va bien. On est au circuit d'Austricourt. On a Stéphane qui est sur la Tromox là, qui roule déjà depuis une bonne grosse heure. Et tout se passe bien. Sur l'application, j'ai reçu pas mal de notifs là. Ah oui, t'es sur... Elle bouge, hein. Elle bouge, hein. Tu arrives à voir la moto en temps et en heure où elle est? Exactement, là on voit exactement qu'elle est sur le circuit. Ouais. Racing Car. C'est ça. JPR. C'est ça, JPR. Bah, il va bientôt arriver dans la ligne droite, j'ai l'impression, hein, non? C'est génial, ouais. C'est ça, hop, il passe sur la ligne droite. Ah, c'est vraiment en temps et en heure. Il est sur la ligne droite et c'est parti. Et on va le faire s'arrêter sur la ligne droite alors. Tu peux faire ça? Bah attends, il va refaire un tour là du coup. Qu'est-ce que tu vois toi du coup sur tous nos rides de ce qu'on a pu faire? Tu l'as éteint? Ouais. Ah. Je vois qu'il s'arrête. Stéphane! On part pas aussi facilement avec ma moto. Hein. Ah, c'est joli, regarde, il est perdu. Stéphane! On t'a éteint! Il est perdu. Allez, tu peux lui rallumer, va. Allez, c'est reparti. Eh, hey, on dirait que t'as télécommandé mon pilote. C'est trop fort. Bah ouais. J'ai pas encore la direction, mais j'ai les gaz. C'est bon. Ah, c'était vraiment rigolo. Et alors, tu vois quoi? On a fait combien de bornes là, depuis qu'on est parti? Ah bah attends, on va regarder ça tout de suite. Là, vous en êtes à 620 km pour aujourd'hui. C'est bon ça. Eh ben, c'est top. Pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini, on est encore là jusque 17h20. On a l'intention de bien en profiter. Là, on a la chance d'avoir une superbe météo et de super partenaires. Un grand merci à vous, hein. Franchement. Ça va, elle est bien confortable, pas trop bruyante. Non, elle est pas bruyante du tout. Confortable, elle est très confortable. Après, je t'avoue qu'au bout d'un moment, on finit par avoir un peu mal au cul, mais on a quand même passé pas mal de temps dessus là. Et on est en mode, ouais, franchement, on se régale. On est vraiment très content. La partie cycle est top. On touche pas les freins. On utilise juste un peu la première pression des leviers là pour utiliser de temps en temps le frein électromagnétique et ça passe tout seul. Et tu sais, j'avais fait ma mauvaise langue au départ. J'avais dit, je pense qu'elle ferait que même pas 50 ou 50-60. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on va même essayer de battre le 80 que vous annoncez sur votre site. Donc on vous racontera. Là pour le moment, la meilleure perf que j'ai fait, c'est 72 km d'autonomie avec une batterie. Oh, c'est ça. Et ben on s'est dit qu'on allait essayer d'aller chatouiller, voire dépasser les 100 km avec une batterie.
Eh ben, bon courage à vous. Ouais, merci à Et vous. bonne route. Ça marche. Eh On ben. vous suit attentivement, nous, chez Tromax France. Donc, allez, go et tous derrière Electron. Merci beaucoup. À bientôt, Tromax. Ciao. À bientôt. Bonne Salut, journée. salut. Vous avez vu comment on lui a éteint la moto? Non, on lui a éteint à distance. À distance. Ah! Bah oui, on a fait le test. On a été appelé par Tromax France, c'est eux qui t'ont fait une petite blague là-bas dans le virage à droite. Non. C'est eux qui ont éteint la moto. Non. Ils se sont moqués de toi. Voilà. On se joue de toi. Bon, il paraît qu'on a dépassé les 600 km du coup. C'est vrai? Par le relevé complet de notre parcours. Et du coup, voilà, il a relevé qu'on avait fait un 72 km alors qu'il nous restait encore du pourcentage. Et ce qu'on a discuté un peu avec Jocelyn, c'est qu'on va attendre qu'il y en ait une qui soit complètement pleine et on va essayer de péter un record d'endurance. Est-ce que ça vous dit d'aller voir un peu ce qui se passe sur la piste? Salut les petits loups! Ah, faut que je garde la clé sur moi. Bon, merci Jérôme pour ta visite. Salut! À tout à l'heure les gens! Ready, go! On y va! Allez, je vous montre! Ici, vous allez faire un tour de piste avec moi aujourd'hui. Alors, on est en mode éco, on roule cool. On est là pour se faire plaisir. C'est un record d'endurance et non de vitesse. Et donc, nous voici sortis de paddock. On va attaquer l'entrée sur la piste. Au niveau de la sortie du bout droit pour la ligne de départ. Regardez, là on a un droite, elle marche bien la petite Tromox, hein. Elle a des watts, la piste a bien séché par rapport à cette nuit, ça fait vraiment plaisir. Ici c'est une épingle, alors quand on met juste les doigts ici, hop, sans freiner, on actionne uniquement le frein électromagnétique. Donc là c'est le but en endurance, on va pas user les plaquettes, on va essayer vraiment d'emmener le plus loin possible nos batteries. On est en train de recharger au moins un accu plein pot. Ce sera sûrement la batterie qu'on a nommée numéro 4. Et à 3, on va se relayer la moto un peu quand on a envie. Et on va essayer de vraiment péter, de la vider et de voir, de l'essorer cette batterie pour voir combien de kilomètres on arrive à faire. Donc là, il doit être aux alentours de midi 20, midi et demi. On est le lundi. Et tout se passe bien pour nous. Hein. Vraiment, c'est top. Je suis content. Que le beau temps nous a rejoint et on va pouvoir profiter de cette journée tranquillement. On va avoir un peu de visite, il y a pas mal de potes qui viennent nous voir, il y a beaucoup de monde qui nous soutient, on a reçu beaucoup de messages et pas mal de visites et ça fait plaisir. Voilà, donc c'est en bonne voie de réussite ces 24 heures. Il nous reste encore trois grosses batteries à vider, je pense. On va faire un peu plus de 24 heures. On va exclure, je pense, la partie paddock pour être sûr d'avoir passé 24 heures sur la moto. Comme on a eu l'appel de Tromox France et qu'ils ont un relevé détaillé du roulage, on va leur demander aux alentours de 16 heures de nous faire un check-up complet du temps qu'on a passé sur la moto. Donc on sera aux alentours des 24 heures ici sur le circuit de Stricourt. Mais on n'aura pas fait 24 heures sur la moto. Donc eux, ils vont nous dire, voilà, la moto, elle est restée allumée en mouvement autant de temps. Et on va vraiment se fier à ça. Elle a vraiment tenu le choc. La chute de Jocelyn lui a occasionné juste un petit levier plié. Elle a même pas pris une griffe, rien du tout. Et ça, c'est vraiment positif parce qu'on aurait vraiment été déçus. On n'en a qu'une et arrêter en plein milieu de la nuit, ça aurait été catastrophique. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, vous avez vu, hein, Tromox nous a fait un relevé détaillé de tout ce qu'on peut faire. Ils nous voient en temps réel, ils font les petits curieux. Maintenant, on sait qu'ils nous observent de là-haut, là, directement par satellite. C'est plutôt rigolo. Ça fait une heure et quelques minutes que je tourne. J'ai fait exactement 46 km. Sur ces 46 km-là, j'étais quasiment à bloc tout le temps. Donc, on peut imaginez facilement faire 50 km avec une conduite normale. Et maintenant on va voir ce qu'on va remettre comme batterie dans la Tromox. Mais ce qui serait top, ce serait qu'on fasse le test en mode lent pour voir si on arrive vraiment à faire un truc de fou. Mais toujours est-il que 50 km avec une batterie en roulant comme j'ai roulé, c'est très 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 honorable. Je sens que je commence à perdre un peu de puissance. Donc on va arrêter là,
je vais passer le relais. On avait dit que ce midi on faisait des relais d'une heure. Et puis voilà, changement de batterie, si elle est pleine, on part sur un mode autonomie, rouler en éco, très très cool, pour essayer de voir l'autonomie maximale d'une batterie sur la Tromox Mino. Alors là, je vais m'engager dans la sortie, ici en direction des paddocks. Jocelyn, il est là, il est prêt. Est-ce qu'on part sur un accu complètement plein? Oui, complètement plein. Complètement. Donc là, on va essayer l'autonomie maximale. Eh bien, c'est bien. Eh bien, Jocelyn, t'es chaud ? C'est parti. Hein. C'est parti. Alors, la clé, elle se trouve là. Je te l'ai donnée. Je te remets le sésame. Et hop, un accu plein. Are you ready ? Go ! Et c'est reparti avec Jocelyn aux mallettes. Alors là, on va être en mode vraiment super, super cool. On va déglinguer, on va faire aussi pendant qu'on y est un record d'autonomie sur la Tromox. On est qu'à parti pour vraiment profiter du beau temps, n'est-ce pas Stéphane? Très 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 bien, c'est nickel du beau temps comme ça. On est bien, allez à tout à l'heure. Et bien sûr, nous il faut qu'on se restaure. Et pour ça, comme on est à Austricourt juste à côté de Carvin, on a eu la chance d'avoir un partenaire qui vient nous nourrir. Tu te présentes? Salut, moi c'est Laurent. Laurent, le roi de la pizza? Oh, le roi, on peut dire ça si on veut. Un vieux copain de Stéphane qui est en train de faire un exploit. J'espère que vous allez aller jusqu'au bout. On vous soutient complètement. Et du coup, on vous a amené un petit peu de chaleur avec nos pizzas et un peu de réconfort avec du coca. Vous avez pas voulu... qu'on n'a pas le droit de dire à la télé. Mais on s'en fout, on est sur YouTube, mais effectivement, on va pas boire d'alcool, mais c'est voilà. Super sympa. Donc on a à boire et à manger. Voilà. C'est offert par Pizza City, que nous remercions. Merci et enchanté. On a discuté un petit peu. Merci du soutien que tu peux nous apporter. Il n'y a pas de souci. Et voilà, les potes à Stéphane sont mes potes. On est là, on est bien. Eh bien, moi j'ai envie de dire un truc, hein, à table. Ah. Une reine. Reine des neiges. Une magnifique chèvre miel, la pizza du Nord, la Welsh. Là, on va être collé, là, il n'y a plus de problème. Là. Une grande reine, ça nous fait une, deux et trois reines. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Rendez-vous pour le finish, rendez-vous pour la dernière, le dernier volet, le bilan complet de ces 24 heures. Moi, je vous remercie vraiment à tous d'être présents. Vous voyez, je vous encourage à vous abonner. C'est pas pour mon ego, c'est parce que plus la chaîne sera grande, plus on aura des possibilités comme celle-ci de partage, de ride. Et voilà, il n'y a pas d'histoire de business, hein. Tout nous est prêté gracieusement en échange d'un petit merci sur la chaîne. Et voilà, ils ne se sont pas pris la tête, ils nous ont même donné aucune condition. Tous, hein, que ce soit Tromox, que ce soit le circuit, nos partenaires comme Renault qui nous ont filé des véhicules. On a, de toute façon, vous avez vu la bannière, hein, n'hésitez pas à la checker, à mettre une pause et à regarder qui fait quoi. Mais voilà, c'est grâce à eux qu'on est là et c'est plutôt top. On s'est en fait encore, ça tombe bien parce qu'on a encore plein d'autres idées. Alors allez, foncez vous abonner, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite de bons rides.